monde, c'est Vama34. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon pack de textures. Je ne sais pas. Enfin ça sera pour on va dire les 320 abonnés, voilà. Puisque là je suis au 320, donc voilà. Bref, on va dire ça que c'est pour les 320 abonnés. Et voilà, j'espère qu'il vous plaira. Donc je mettrai le lien de téléchargement au bout de 10 likes, parce que voilà, ça me fait plaisir, vous voyez, juste pour vous faire chier. Donc voilà, au bout de 10 likes, je mettrai le lien de téléchargement, voilà, s'il vous plaît bien sûr. Voilà, donc, je vais commencer par vous je vais juste vous préciser un tout petit truc à propos de ma chaîne. Alors, je sors pas beaucoup de vidéos en ce moment, parce que tout simplement, le travail, le travail et tout, là, vous voyez. Donc, j'ai beaucoup de travail. Et mes parents ne veulent pas trop que j'aille sur l'ordi, alors je suis un peu niqué, vous voyez. J'ai pas trop droit à l'ordi, donc c'est pour ça que je sors pas beaucoup de vidéos, vous voyez. Bref, voilà, donc je vais vous montrer un peu, pour commencer, la première rangée de bois. Donc déjà, il y a la table de craft qui est assez stylée, je trouve. Là, vous pourrez penser que c'est du 8x8, sauf que non, parce que j'ai fait toutes les petites ombres et tout, vous voyez. Donc la table de craft, le four, le bois de sapin, le bois de chêne noir, le bois d'acacia, le bois de bouleau, le bois d'acajou et le bois de chêne. Donc, vous voyez, ils sont assez stylés tous ces bois. Ensuite, passons. Mais normalement c'est les minerais, sauf que j'ai rajouté ces blocs, ceux-là là, parce qu'ils n'y étaient pas. D'ailleurs j'ai fait péter, j'avais foutu la TNT à côté sans faire exprès. Ça a foutu un trou et du coup j'ai rebouché, bref. Donc la glowstone éteinte, ça donne un truc comme ça. La glowstone allumée comme ça. La luminite, c'est assez stylé je trouve. Le quartz du nether. Les minerais de fer. Le charbon, putain qu'est-ce que... désolé. Donc minerais de charbon. Minerais de diamant. Minerais de redstone. Et minerais d'or, donc voilà. Moi je les trouve assez stylés. Sur la redstone j'ai pas mis les ombres, parce que voilà. Donc voilà, j'espère que ces minerais vous plairont. Au fond vous voyez les armures et tout, sauf que c'est tellement un troll ce panneau. Ah non, c'est pas le panneau. Ah ouais. Vous voyez là, il y a cette rangée de blocs qui vont fond. Ne pas voir les épées, donc c'est la surprise de la fin. Donc la roche qui ressemble à ça. La cobble qui ressemble à ça, et elle ressemble un peu au gravier je trouve. Ah merde, cobble. Putain c'est quoi le gravier du coup? Ah oui c'est sûr. Oh le con. Désolé hein, je me suis bourré sur ça. Hop, gravier. Donc voilà, donc là ça c'est le gravier, ça c'est la cobble, donc ça se ressemble un peu je trouve. Ensuite la cobble mossu, donc ça donne ça. La pierre taillée craquelée. D'ailleurs on dirait pas trop qu'elle est craquelée, mais c'est pas grave, c'est voilà. La pierre taillée moussu, comme os. La pierre taillée normale. Et la netherrack. Donc vous pourrez remarquer que les pierres taillées sont pas du tout pareilles que les autres trucs. Mais c'est parce que je les ai pris d'un autre pack, celle-là, et qu'elles sont assez stylées. Donc voilà. Ensuite la TNT, que j'aime bien. Les blocs de quartz, qu'on fond un peu avec les blocs de laine blanche, merde. Sauf que à l'intérieur de laine blanche il y a des genres de petits trucs, enfin ça se différencie un peu quand même. Donc voilà les blocs de quartz, les blocs de redstone, blocs d'or, blocs de fer, blocs d'émeraude et blocs de diamant. Voilà. On va passer vite fait à côté pour vous montrer. Alors je kiffe les bibliothèques, elles sont très stylées. Donc voilà les bibliothèques, la table d'enchant, qui est aussi assez stylée. Ensuite là il y a le lit, bon ça j'ai pas changé le lit et les enclumes. Donc les vite teintés non plus j'ai pas changé, mais je les ai mises quand même. Ensuite là les la laine, donc la laine normale hein. Enfin c'est pas la laine normale, mais c'est juste que voilà c'est la laine quoi, on s'en fout. L'argile durcie, voilà, commence. L'argile durcie elle a pas changé non plus. Et voilà, donc maintenant on va voir Bob l'éponge, vous voyez l'éponge n'a pas changé, mais voilà. Divers, voilà, donc là c'est tous les trucs. Alors moi j'aime bien la pomme, vous voyez, parce que la pomme vous voyez que c'est une bite, voilà.
Donc quand on court, attendez, regarde, je vais vous montrer quand j'ai faim et qu'après ce que ça fait quand on bouffe la pomme. Donc je vais peut-être couper si jamais ça met trop de temps. Ah non, c'est bon, voilà. Donc voilà, donc là quand on bouffe une pomme, ça fait comme si on bouffe une bite. Ah, c'est drôle quand même, hein. On dirait qu'on bouffe une bite. Enfin, on bouffe une bite, mais bon. Bref, on remet en peaceful. Ensuite le reste, je pense que... Putain, oh, il pleut là. Ah, je vais enlever ça, juste hop. C'est quoi déjà la commande? Oh, au pire on s'en fout, il pleut, tu vois là. Je vais juste mettre le jour quand même s'il pleut. Voilà, donc les armures, l'armure en diamant, ça donne... hop, ça donne... Ça donne ça, comme ça. Hein. Donc elles sont vraiment stylées, je trouve. Après, l'épée en diams, commence. Ensuite, le stuff en or. Le stuff en or, ben, il est pareil que le diams, sauf que ben, il est en or, lol. 10 DPTDR. Merde. Voilà, hop, l'épée en or, je la kiffe vraiment, elle est stylée. Donc le stuff en or. Ensuite, juste, hop, je vais faire. Voilà. Donc ensuite, stuff en fer. Ça donne. L'épée, elle est voilà comme ça. Le stuff en fer, il est presque pareil que diam, c'est or, hein, sauf qu'il est en fer, voilà. Voilà. Ensuite, stuff cuir. Ah oui, j'ai oublié de préciser aussi, si jamais Action Merylis peut déformer un peu mon micro, vous voyez. Enfin, c'est pas que ça déforme, c'est juste que ça fait une voix assez comme si j'avais un micro de merde, alors que bon, c'est pas trop le cas. Ensuite, les blocs. Oups, qu'est-ce que j'ai dit? Oh là là. L'épée en bois. Voilà. Et le stuff en cuir que j'ai pas changé. Peut-être un tout petit peu, mais voilà. Ensuite, mais voilà. Les outils, vous voyez, ils sont normal, quoi. Enfin, non, pas normal, mais un peu. Bref, vous pouvez les voir dans le cadre, de toute façon. Hop, l'arc, j'ai oublié de le dire. Le briquet aussi, je l'ai un peu changé, vous voyez. Et je vous montrerai après les flammes, ce que ça fait sur nous. Elles sont petites pour le PVP, c'est assez cool. Donc l'arc, j'aime bien, vraiment. Vous voyez, ça fait orange, enfin jaune, orange, rouge, vous voyez. Ça sert un peu à rien, mais c'est j'aime bien, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Ben, je vais vous montrer la lave. La lave, voilà. Je l'ai pris du pack à cause, hein, la lave, parce que voilà, j'aime bien. Donc vous voyez les flammes, on les voit presque pas, donc c'est assez cool pour le PVP quand on fait avec des pommes cheat, c'est-à-dire qu'en gros quand le mec il nous craint avec sa T5 F2, ben, disons que en fait après il te crame, mais tu peux quand même continuer à PVP sans que la flamme te gêne, comme avec le faceful un exemple. Hein. Genre si je vous montre avec le faceful vite fait, si je l'ai toujours bien sûr, parce que... Oui, donc déjà si je vous montre là, ça fait un petit truc comme ça, c'est assez stylé quand vous avez mon pack. Faceful, hop, je vais vous montrer les flammes du faceful, mais c'est injouable au PVP, c'est carrément horrible. Hop. Vous voyez, ça gâche l'écran, les flammes du faceful, c'est carrément très chaud à jouer avec. Oui. Donc voilà, on va reprendre mon pack. J'ai mis un petit hashtag au début pour que ça soit dans le début de vos listes de ressources pack, au moins je suis trop famous, vous voyez. Ensuite l'under chest et le truc j'ai pas changé. Et ensuite maintenant nous pouvons passer ça va, je vous rassure, c'est pas moi qui ai fait la map, donc je comprends pourquoi il y a une échelle ici, bref c'est pas grave. Donc là les arbres commencent, le sapin. Là voilà, commence. Et là le gros arbre. Donc voilà. Donc j'espère que vous serez nombreux à télécharger ce pack. Si jamais vous l'avez téléchargé ce pack, ben dites bambam pack en commentaire. Voilà. Et si vous voulez écrire autre chose, ben dites ce que vous voulez, bref.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, vous avez pu remarquer par le nom que le pack s'appelle Bainvin Pack. C'est très original, hashtag l'originalité zéro. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, je tiens aussi à vous dire, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, que je vais les vidéos normalement je vais reprendre en faisant assez de des bons montages parce que j'ai remarqué que ça vous plaît les vidéos là où je parle parce que les trailers par exemple j'ai remarqué que ça vous saoule mais grave donc les trailers ça vous saoule les speed art idem et donc je vais reprendre les vidéos comme le PvP swap mais avec plus de montage et peut-être des genres de zap sur Minecraft ou peut-être que je vais continuer le multigaming en fait genre que je vais refaire des vidéos sur d'autres jeux à part Minecraft. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Les vidéos normales reviendront très prochainement. Hein, genre parce que j'ai vu que ça vous plaît, j'ai vu, j'ai fait 300 et quelques vues sur la vidéo PvP Swap. Et je sais plus combien de likes, je crois une quinzaine ou ouais une quinzaine, tout dans le genre ou moins, je sais plus. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu, troisième fois que je le dis. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo si elle vous a plu. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo très prochainement. Donc voilà, allez, ciao les nazes.